Réveil Matin avec Thibaut et Maëlie sur Delta FM. Bonjour à tous, bienvenue sur le Réveil Matin, votre matinale de début de semaine sur Delta FM. Il est 9h30 et aujourd'hui pour cette émission, on est en présence comme d'habitude de Maëlie et de Saïra. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien, merci à toi. Ça va, c'est la fin des vacances quoi. Et on va comme chaque semaine dans quelques instants passer à la météo sur Poitiers et sur la France entière et on verra qu'on aura de belles éclaircies pour changer des semaines passées. Puis on passera à l'actualité, toujours aussi rapide de nouveautés et on retrouvera Saïra pour l'horoscope pour passer une bonne journée. Merci d'être avec nous ce lundi 22 février 2021 et on passe tout de suite à la météo. Donc on aura aujourd'hui sur Poitiers un temps plutôt nuageux avec de nombreuses averses à venir à partir de 9h jusqu'à 22h. Les températures sont comprises entre 10 et 14 degrés, ce qui est nettement au-dessus des normales de saison. Plus de 9 degrés pour la minimale et plus de 4 pour la maximale. Le reste de la semaine sera sous le soleil avec des températures toujours élevées pour le mois de janvier. On notera une très belle journée à venir pour mercredi avec une maximale de 18 degrés l'après-midi et le soleil présent du matin au soir. En France aujourd'hui, il pleut ce matin par endroits sur la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, Champagne, puis en fin de matinée les Hauts-de-France. En Aquitaine, la pluie intéresse surtout le Pays Basque où l'intensité des précipitations est modérée. Sur les Pyrénées, les ondées sont sous forme de neige, de 2200 mètres à 1600 mètres d'est en ouest de la chaîne. Sur le Languedoc-Roussillon, les pluies présentes se renforcent nettement en matinée et persistent toute la journée. Elles prennent parfois un caractère orageux et donnent de bons cumuls des plaines de Roussillon jusqu'au Haut-Languedoc, au Languedoc et aux Cévennes et sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales. L'après-midi, la zone pluvieuse sur la moitié ouest du pays perd sensiblement en activité. Ailleurs, les nuages prédominent largement avec davantage d'éclaircies du Grand Est aux Alpes. Ce temps perturbé s'accompagne d'un fort vent d'est sur tout le littoral méditerranéen, des caps corses aux côtes provençales et au Languedoc-Roussillon, avec des rafales de 90 à 110 km/h sur le littoral de PACA, 70 à 90 km/h du Lauragais au relief d'Auvergne et dans l'intérieur de la Provence. Ce vent fort en Méditerranée s'accompagne d'une mer bien agitée. Le vent ne s'atténue seulement qu'à partir de la nuit prochaine. Les maximales montent un peu avec des températures s'échelonnant de 11 à 17 degrés jusqu'à 18 degrés sur la partie orientale de l'île en beauté. Merci Maëlie pour ces prévisions très précises. On se retrouve tout de suite après Nirvana de Bride sur le Delta FM. Et on est de retour sur le Réveil Matin, votre matinale de début de semaine. C'était Bride de Nirvana et on passe maintenant à l'actualité du jour. Et on commence avec à Angers, un jeune homme tué à coups de couteau. Son père est en garde à vue. Le père du jeune homme avait rapidement reconnu avoir poignardé son fils. En Espagne, une violente manifestation pour la sixième nuit consécutive après l'arrestation d'un rappeur. Les manifestants s'opposent à la condamnation à 9 mois de prison du rappeur Pablo Hasél. En Birmanie, la junte menace de mort les manifestants. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se réunir ce lundi pour discuter d'éventuelles sanctions. Voilà les actualités pour aujourd'hui, assez brèves. Restez avec nous et tout de suite après une pause musique avec Guns and Noise, Welcome to the Jungle. Et on passe à l'horoscope avec Saïra. A tout de suite. Bonjour, comme tous les lundis, je vous retrouve pour vous donner votre horoscope de la semaine. Pour les béliers, votre semaine est resplendissante, profitez de votre entourage. Les taureaux, parfois il est préférable de souffrir pour aller mieux, mais cette douleur passe avec le temps. Les gémeaux, les mots font parfois mal, il vaut mieux faire attention à ce que l'on veut dire. Les cancers, le temps passe vite et surtout les bons moments, alors profitez. Les lions, l'amour est vital, alors ne lui fermez jamais la porte. Les vierges, la confiance n'est pas une option, c'est un devoir d'ami que de faire confiance à ceux qu'on aime. Les balances, parfois les sentiments changent, ce n'est pas un crime, c'est seulement le temps qui passe et tout passe avec le temps. Les scorpions, le passé peut faire mal, mais il faut des fois avoir mal pour pouvoir avancer. Les capricornes, la vie est parfois difficile, il est temps de vous préparer de bonnes armes pour la combattre. Les verseaux, il vaut mieux la vérité que le mensonge, même si ça fait mal. Les sagittaires, pardonner est toujours difficile, mais le passé est passé, il faut regarder vers l'avenir. Et enfin les poissons, il est parfois préférable de s'éloigner des gens qu'on aime pour suivre son cœur, plutôt que de rester et de perdre le bonheur. Bonne semaine à tous. C'était l'horoscope, merci Saïra, on espère pour vous qu'elle vous apporte de bonnes nouvelles et on se retrouve tout de suite après avoir écouté Paul McCartney de Live and Let Die. Merci de nous avoir suivis, c'est malheureusement déjà la fin de cette émission, on espère que ça vous aura plu et on se dit à lundi prochain, salut sur Delta FM.